C'est en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui apprend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte votre bobo, la guéou dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Jeudi 24 octobre 2024, mesdames, messieurs, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le 4e sortie journal Gazette Créole. Pour ce maintenant, il y a une quinzaine de présumés bandits qui m'ont pris dans la Cayenne, échange coup de balle avec la police, en bien qui repousse Sénégal Xamio, qui était montré au déterminé pour contrôler cité du rapport. D'après une note, la police nationale d'Haïti a publié hier dans Bala Tibonet, la police nationale qui est une support membre force multinationale là, arrivée en bien chasser bandits dans gang griffe ça vient d'un pont sondé. Marché public là dans la localité a fonctionné normalement ailleurs d'après correspondant Vision 2000 dans la région. Force l'audio en bain prend ailleurs contrôle route nationale numéro 1 à niveau Cafopay et puis tout diverses maisons bandits te compte caché pour te faire zakio en bain et la police rivée prend contrôle à Kaïssa. D'après ça, Berti Doras a confirmé porte-parole commission dialogue conciliation à conscientisation pour sauver la Tibonite là mandé un autre bon autorité pour voir les soldats force la médaille pour ceux qui infrastructure agricole dans la vallée la Tibonite gang flamme menacée pour créer. Président conseil présidentiel transition Leslie Voltaire remet formellement renouvelé demande exécutif haïtien concernant la transformation mission multinationale APEC sécurité en Haïti en mission traditionnelle médecin de la paix dans son salle écrit secrétaire général Nations Unies côté qui et d'après ça ambassadeur d'Haïti à ONU Antonio Origa révélé pendant une énième réunion conseil sécurité à ce dossier pays d'Haïti à mardi 22 octobre passé. Ancien secrétaire d'État sécurité publique régionale Delva estimé c'est grave et qui a sauté en bien dernier communiqué ministère justice qui dénonçait un complot qui visait assassiner premier ministre Gary Conné à Kakek na ministre Lio. Secrétaire général OEA Luis Almagro renouvelé six pour organisation État américain Lio dans processus de transition en Haïti. Gouvernement intermédiaire a dirigé pendant Lio échangeant en téléphone avec ministre haïtienne Affaires étrangères Dominique Dupuis dans un message public lié sous compte XT à mercredi, Luis Almagro estimé niveau actuel si pour international là avec montée en puissance violence yo en pays a des menacé en bien et processus en transition. Diverses organisations de la société civile en Haïti et en République dominicaine encouragent autorité gouvernement haïtien pour prendre bonne disposition pour mener le gouvernement dominicain respecter droits fondamentaux à migrant haïtien yo en bien organisation ça yo mandé l'état haïtien pour accompagner migrants dans le processus en bain pour que mon yo capable de retourner la caillou de façon volontaire. Le téboche n'a pas pour développement pour ça. Présentons le régional de Sagan, régional des îles, café manœuvre technique, bien micro, c'est Léon Cœur Civil. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir pour nous tous, bienvenue dans le développement premier parti journal là. Il y a une quinzaine de présumés bandits qui mourent dans un échange coup de balle avec la police pendant la police qui repoussait ben gang Axam Sayo qui était lancé depuis commencement semaine. Il y a une autre attaque dans l'idée pour prendre contrôle cité de Rabois. D'après ça, la police nationale là fait qu'on est à mercredi. PNH fait qu'on est gagné agent unité spécialisée qui était déployé à Kayer pour contrer carré action groupe criminel qui a cherché à tout prix terroriser population civile dans cité de Rabois. Pour qu'on y a la police saillot en bain à mener bon genre opération en bain pour contrer carré bandio police nationale là fait qu'on est opération la police à poursuivre avec efficacité en bain ses résultats en bain yon bon tête collée entre la police nationale d'Haïti avec mon population à Akaye à travers mariage entre police et population PNH la renouveler engagement à détermination pour combattre groupe criminel saillot et puis continuer croire la collaboration population qui joue
rôle important dans la lutte qui visait mettre bout avec action bandio. Responsable protection commune Akaya Amber Wilner René confirmé information qui fait quoi il y a un petit bateau qui t'a transporté munitions à savoir les balles là dans Akaya qui coulait mardi soir après-midi après le fin monter sur récif dans sous plat dans zone plat Luli sous côte des Acadins il y a plusieurs présumés bandits il y a mon fait connaître c'était 15 qui t'a mouri maintenant en bateau ça qui coulait Wilner René fait qu'on ait l'autre bord affrontement yo toujours à fait dans Akaya entre force l'audio avec bandi exam Wilner René était avec Michel Xavier sorti dans la commune Cabaret, qui est arrivé à attaquer la commune Akaye au niveau Bessie, qui est zone limitrophe entre Akaye et Cabaret. Depuis lors, les messieurs Sayouri étaient là, il a fait échange entre la police et eux-mêmes, et ils gagné surtout des brigadiers qui accompagnaient la police, comme maillage entre la police et la population, qui a fait résistance avec eux. Mais ça n'empêche qu'ils étaient arrivés à avancer sous zone Vignier, Thomas, côté qu'ils ont fait pile des gars, au bout des cailles, au bout des machines, tout ça, ils ont sous route. Dans le moment où on a parlé là, et population, en majeure partie, surtout pour filles et jeunes filles, jeunes filles avec mon troisième âge, ils ont déplacé ou montré dans la section communale. C'est vrai que la police a fait un pile d'efforts à la population, mais ils ont été arrivés jusqu'à Kaufoupoua hier pendant que la police s'est déplacée pour aller débloquer des chars qui étaient bloqués au niveau Williamson. Eh bien, ils ont même passé environ 30 à 45 minutes, faire vidéo, faire photo. Mais quelques minutes après, la police et la population étaient ensemble, étaient poussés, mettés dehors pour t'es quitté commune. Et pendant que tu as poussé, en pile là-dedans, tu es vivé bred le bouche. Parce que tu là-dedans qui t'es fait route cochi, population rencontrée avec eux, et la police rencontrée avec eux, donc tu es là-dedans qui tombé. Mais pour le matin, qui c'est mercredi 24 octobre 2024, là, pour la plus belle, ils ont continué à échanger avec la police, situation vraiment difficile. Côté que est toujours dans la bataille, dans le moment où on a parlé là, il y a une grosse bataille entre la police et la population et bandits. Donc en dépit du fait la police avec la population repoussé hier ou jusqu'à mercredi ça toujours un échange de tir dans Villa Caillat de la police avec bandits. Après que la police était la guerre pile à terre, matin nous dit pour la plus belle aux environ 10 heures, ils ont retourné encore à échanger avec la police pour couler à nous capables de bataille là jusqu'à présent pour terminer. Nous apprenons qu'il y a 15 parmi malfrats qui tombent. Ou monsieur vous confirmez pour vision 2000? Finalement, nous sommes capables 15, nous capables 22, nous capables 30. Donc c'est un chiffre qui a confirmé par rapport avec quantité de qui tombent parce que non seulement la police prend yo, mais il y a un qui fait outrage, qui prend dans le piège parce que la population en bataille, yo même avec tout ça, avec culture, et il y a de pièges sous toute forme. Donc il y a un qui tombe dans plusieurs zones. Même gens, il y a un qui tombe en face de la police. Nous sommes capables de dire oui, il y a un peu là qui tombait même Jean hier, il y a un bateau qui t'a traversé côté matériel et on est capable de cartouche pour monsieur. Donc arrivé dans zone alors en face et Lully, donc dans zone ça yo, et ben yo un récif, yo monté sur récif là, et ben mon cher et bâtiment ça il coulait avec toute nek yo. Ben, même pas quoi c'est ton récif culturellement, c'est son récif qui était là, c'est des énergies qui là qui estimait que nous pas qu'à à bataille pour tête nous, et c'est haïtien négro, ils n'ont pas comprendre que si Akaye c'est la cité du drapeau, si Akaye c'est maman liberté, c'est là la droite écoute, c'est là qui fait cérémonie capable de dire plus au concret qui gagne pour écouter le drapeau. Donc ils joignent ça au mérité et de l'autre bataille qui a continué faite mystiquement pour que nous-mêmes nous capables de contrecarrer. Population accompagnée la police, malgré qu'ils ont fait baisse en termes d'effectifs, parce que nous avons supposé joindre présence de la médaille que nous qui marquait absence là, qui brille absence, et même sur la Nations Unies, alors MSS là qui l'a, donc nous par contre qui s'est arrivé dans la Cour de Prince, mais nous dans une situation difficile, nous pas représentés. Donc nous sollicitons présence, même je n'ai sollicité que la police nationale plus au niveau augmente l'effectif qu'il a, bio matériel avec équipement, pour capable de continuer à aider de mettre les vagabonds dehors. Merci beaucoup et nous demandé encore une fois avec partenaires, nous pas négligé tourner que nous gagnons plusieurs milliers déplacés qui allons dans des zones qui pas infrastructure sanitaire. Qui va gagner l'eau potable, tant pis, porter secours avec Monta au volant. Voilà, t'as côté déclaration Wilner René Nambalati Bonit, la police nationale qui était joué en support, membre force multinationale là en ben rivé, chassé bandit dans gang griffe, ça vient à Ponsondé, marché public localité a fonctionné normalement à mercredi en Carlos Augustin.
population en pensonde ak zone qui environne li ka commencé à lion souffle suite ak attaque force l'audio dans vallée a fait pour y arriver chasser gang Xavier dans Kafou Pay qui était occupé espace ça depuis bien longtemps. Route nationale numéro 1 qui libre dans moment n'a parlé là côté moun qui voulait ka utiliser li parce que gen gros dispositif sécurité qui mettait pour permettre activité reprendre sur route nationale là dans Balatibonite. N'a fait connaître marché pensonde a journée mercredi 23 octobre là recommence fonctionner. Jean ça était toujours hier. Carlos Augustin Semak, Vision 2000. Merci Carlos Augustin. Force l'audio prend contrôle tout route nationale numéro 1 à niveau Kafou Pay et puis tout divers cailles en bayoté utilisé bayoté caché et force l'audio prend contrôle caille ça et tout d'après porte-parole commission dialogue conciliation conscientisation pour sauver la Tibonite Bertie Doras yon l'autre bol demander autorité pour voir soldats force armée d'Haïti pour sécuriser infrastructure agricole dans vallée la Tibonite gang grifla menacé pour craser Bertie Doras. Bertide Horace après répondre à Jean-Tuz Jean-Michel. C'est depuis avant-hier que gang nan continue à mettre pression. Donc côté que nous t'avons gang Kokorak sans race, donc qui était tiré sous l'école et Timonio. Donc eh ben dans Balatibonite gang qui s'est pas chômé tout pendant jour ça yo. Donc qui était continuer à faire des gars côté que eh ben nous connaissons fouiller plusieurs trous dans route yo pour empêcher à chaque fois qu'il fait des gars si ta bon réplique à travers ça à travers la police pour yo capable gagner des difficultés pour yo pas capable rentrer dans base yo. La police te prend disposition pour que yo te fermer tout ça yo que monsieur yo te fouillé dans zone Kafou Pay tout près pont Loa. Donc c'est devant pour yo te fouillé tout ça pour empêcher matériel roulant passer pour arriver dans base yo qui se ça bien et pour ça qui pourrait lier donc vers comme une petite rivière avec route nationale numéro 1. Donc la police te prend disposition avec population dans communauté a yo te arrivé boucher tout ça yo. Donc donc qui était au courant dans l'immédiat yo te sorti donc c'était sous affrontement coup de balle, nous t'es capable de dire que la vitalité arrivée fait quand même parce que nous t'es des volontés et la police t'es campé tout, donc pour t'es capable d'empêcher de massacrer la population, hein. Mais la police pas traité. Pensez que la population en tout, n'a pris des dispositions tout pour nous protéger avec la police, pour nous avoir empêché, nous t'es capable de dire qu'il y a une action qu'on s'est posée. Mais pour le moment, on n'a toujours pas dit qu'une tentative qui fait sous barrage là. Donc c'est des informations que nous gagnons, mais il est toujours préférable pour nous faire prévention au lieu que nous quitter catastrophe là et qui pourrait montrer que nous pas même des capacités pour nous porter solution par rapport avec des gars. Par rapport avec une menace là, puisque il y a différents unités la police qui déployent dans la zone, est-ce que ils ont entré en contact ensemble avec autorités policières qui dans le département? Je pense que il y a des plans, il y a des stratégies, je pense que son travail qui doit être fait collaboration, ça c'est sécurité. Nous croyons que l'un parlait de barrage cadre, nous parlait de ODVA, nous parlait de la présidence aussi, parce que gestion ODVA, il fait de une commission qui gagnait 3 membres là-dedans, le président de la République, le président de la commission, ça, qui c'est ministre agriculture et directeur général de l'ODVA. Je pense que ça a relevé de compétence la présidence pour que vous assumez responsabilité de protéger le barrage là, pour doter de sécurité. Il y a des infrastructures qui là dans l'espacement qui là pour ça. Si Duvalier, c'est militaire qui te compte sécuriser le barrage là. Que nous y entrons, nos politiques, nos faits pays à venir tourner en république importateur, nos faits nous tourner en peuple consommateur, et bien c'est comme ça, ils ont laissé le barrage là, comme ça, n'importe cabri, n'importe bête, n'importe monde capable d'entrer là-dedans, c'est ça, ils ont voulu. Depuis le massacre, est-ce qu'il y a une amélioration? Est-ce que le problème matériel là, il résout? Effectivement, problème matériel. Il y a résoudre, mais nous pas de consentir, bien que présence matérielle y était là, mais raison d'être des matériels, c'est faire opération pour craser base gang. Jusqu'à présent, nous sommes capables de dire, donc nous pouvons satisfaire, attendre nous pouvons satisfaire. La police présente cela, c'est empêcher des gars. Donc si on continue à faire des gars, c'est que présence n'est pas là, c'est comme si on n'a pas existé. Donc nous-mêmes, nous avons besoin de présence de façon active.
victimes pour que nous-mêmes nous capables de liberté nous pour nous déplacer, liberté nous pour nous parler, liberté nous pour nous travailler, pour toi nous capables de respecter. Pour ça qui concerne pour sonder, il y a une information qui fait quoi que la police gagne contrôle zone et puis chasser gang améo dans zone ou même qui sous place qui sont cadis sous ça. Donc nous capables de dire à partir d'aujourd'hui que la police récite le contrôle qu'a paye. C'est aujourd'hui la police récite le contrôle qu'a paye et ou capable présence population qui a fait nettoyage. Bas gang pour craser bas gang parce que tout autre présence sur là c'est des mouvements qui capable agir sur nous à n'importe quel moment donné. Si n'a pas confiance que lorsque opération faite under bas gang pour craser bas gang. Au tap côté déclaration Bertide Horace, présumé bandit Alexis Patrico a même mouri dans zone préfète en localité dans Vélocaï pendant intervention la police gen policier li même tout qui blessé et pas balle dans niveau Pointe li Hans Jean-Louis pour plus détails. Alexis Patrico, c'est non yon présumé malfrat qui tombé en bas balle force l'audio dans cadre d'une intervention la police tap mené journée mercredi 23 octobre 2024 là dans Brefet dans même opération ça policier Ismaël Calix recevoir deux balles yon nan bras ak yon nan pied li selon une source policière même sous ça fait nous connaît dans échange coup de zam sa yo qui était duré quelques minutes yon l'autre malfrat est sorti blessé mais il est arrivé échappé pour lui. Sous question qu'a posé est-ce que force l'audio te saisi zam dans moment opération sale nouvelle radio a pas mezi pour confirmer information mais quant à pour présumer à tout fait qui tombé à responsable yo dans commune Okaï ak la justice pas de printemps pour te enterrer quoi dans grand cimetière Okaï n'a soulié bandi ça qui tombé à rentré dans une liste 5 bandits qui tombé en babal autorité policière yo nan moins que 2 semaines. Hans Jean-Louis depuis Vilokaï, Vision 2000. Merci Hans Jean-Louis, président conseil présidentiel transition Leslie Voltaire en bain formellement renouvelé demande exécutif haïtien concernant transformation mission multinationale avec sécurité en Haïti en yon mission traditionnelle médecin de la paix dans sens salié écrit secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres. D'après ça ambassadeur pays d'Haïti a révélé dans Rouni Antonio Rodrigue pendant énième réunion conseil sécurité à ce dossier Haïti à mardi 22 octobre passé ambassadeur Rodrigue yon l'autre fois en bain décrit situation chaotique qui gagne dans le pays d'Haïti pour justifier besoin d'un soutien pour renforcer communauté pour besoin d'un soutien renforcé bon côté communauté internationale là pour pays d'Haïti. Antonio Rodrigue. Madame la présidente, Haïti continue de faire face à une crise complexe aux multiples facettes englobant la sécurité, l'économique, le social, les droits de l'homme, le développement et les défis humanitaires. Les gangs armés continuent d'étendre leur périmètre de contrôle sur de nouvelles zones avec un niveau élevé de violence, notamment des violences sexuelles, des violations des droits de l'homme, des meurtres, des enlèvements avec comme conséquence des milliers de déplacés forcés. Le 3 octobre dernier, les hommes du gang Griffe, dirigé par le chef Luxon, récemment sanctionné par les États-Unis, ont attaqué la ville de Ponsonde dans le département de l'Artibonite et ont massacré environ 115 personnes, faisant un grand nombre de blessés, dont des femmes et des enfants. Cette semaine, plusieurs quartiers périphériques de la capitale, Port-au-Prince, dont Tabar, où se trouve l'ambassade américaine, ont subi des attaques violentes d'individus lourdement armés. En réponse à la violence, le rapport du secrétaire général indique que la police nationale d'Haïti, avec le soutien de la mission multinationale d'appui à la sécurité, MSS, a lancé des opérations anti-gangs à grande échelle dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince. Ces opérations ont connu un certain succès en libérant certaines routes et des quartiers de la présence des gangs. Compte tenu de la détérioration de la situation, Haïti a besoin d'un soutien renforcé, soutenu et coordonné. Haïti continue de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires internationaux pour répondre aux besoins des plus vulnérables et nous nous efforçons de renforcer la résilience de nos institutions pour faire face à ces défis de manière durable. Le rétablissement de la sécurité demeure la principale préoccupation pour nos dirigeants. Le rapport du secrétaire général sur le BINU appelle la communauté internationale à apporter d'urgence un soutien financier supplémentaire à la MSS afin d'assurer la poursuite de son déploiement et l'atteinte de ses objectifs. Le contexte actuel marqué
par l'insécurité croissante nécessite des efforts redoublés pour garantir un environnement propice à la tenue des élections. Ce double effort, restaurer la sécurité et organiser des élections, est essentiel pour ramener Haïti sur le chemin de la démocratie et du développement durable. Cependant, nous sommes grandement préoccupés par la lenteur du déploiement de la MSS, causée tout particulièrement par les difficultés rencontrées pour trouver le financement nécessaire pour son fonctionnement. C'est d'ailleurs dans cet esprit que le président du Conseil présidentiel de transition, Son Excellence M. Leslie Voltaire, vient d'adresser au secrétaire général des Nations Unies une lettre pour demander la transformation le plus tôt possible de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti en une mission de maintien de la paix. Nous comptons sur la compréhension et la bonne foi des membres du Conseil pour accorder un traitement favorable à cette requête. On t'a porté déclaration représentant Haïti dans les Nations Unies, Antonio Rodriguez, alors qu'il t'a pas intervenu pendant la réunion Conseil de sécurité des Nations Unies en situation Haïti, à responsable programme RNDDH, Marie-Rosie Auguste du Sénat, a bien mandé pour renforcer le régime sanction concernant Haïti contre sitôt responsable, monde qui responsable violation droit monde et puis tout chef gang, acteur partisan, militant droit monde, a mandé pour communauté internationale l'arrêter à côté peuple haïtien qui par contre ça pour faire et puis appliquer ça. Sanctions dans toute mesure possible dans souligner nécessité pour nettoyer le système judiciaire et puis administration publique là, qui pourrit en bas corruption. Marie-Rosie Auguste du Sénat. Le drame social, politique et économique que nous vivons en Haïti trouve sa justification dans l'impunité des crimes financiers et de droit commun. Pendant longtemps, nous avons cru que lutter pour le jugement et la condamnation des personnes impliquées dans la perpétration des actes attentatoires aux vies et aux biens des citoyens était suffisant. C'était sans mesurer à sa juste valeur le poids de l'impunité des crimes financiers. La corruption gangrène le pays. La gestion du dernier scandale ayant éclaboussé des conseillers présidents qui veulent à tout prix s'accrocher au pouvoir en constitue une preuve irréfutable. L'administration publique haïtienne est victime d'une vaste opération de pillage des ressources de l'État où fonctionnaires et cadres siphonnent les deniers publics et s'enrichissent illicitement. De plus, les armes, les munitions ainsi que les produits psychotropes sont vendus illégalement sur le territoire national. Et tout cet argent sale généré par ces activités illégales circule dans le pays, alimentant l'insécurité érigée en système. Que les bandits armés continuent de semer le deuil au sein de la population, tuant chaque jour, enlevant et séquestrant des personnes, orchestrant massacres et attaques armées, en sachant qu'ils ne seront jamais inquiétés par un appareil judiciaire très complaisant. Que les montants alloués aux services d'intelligence des différentes instances étatiques sont détournés. C'est encore en raison de cette impunité des crimes financiers et de droit commun qu'avec arrogance, les bandits continuent de mettre en place des postes de péage et exigent de la population haïtienne le paiement de droits de passage. Haïti est en proie à une crise multidimensionnelle dont les conséquences sont énormes sur la jouissance des droits civils et politiques, mais aussi sur la jouissance des droits économiques et sociaux. Si le régime des sanctions instauré par les Nations Unies constitue un outil de lutte contre l'impunité des crimes financiers et des violations des droits humains, pour une meilleure efficacité, aux côtés des chefs et membres de gangs armés sanctionnés, doivent aussi se trouver tous ceux qui les ont soutenus et les soutiennent encore. Aujourd'hui, la communauté internationale ne doit pas commettre encore une fois l'erreur de croire que l'organisation des élections, dans n'importe quelles conditions, aidera le pays à sortir du marasme. De même, la préoccupante situation sécuritaire ne se résoudra pas avec des forces multinationales ou même onusiennes qui ne tiennent compte de l'ampleur de la catastrophe. Les bandits sont des assassins lourdement armés et très bien organisés. C'est en raison de la gravité de la situation sociopolitique que la population haïtienne appauvrie s'était résignée à confier à un conseil de 9 membres, dont 2 observateurs. Pourtant, le rétablissement de la sécurité, la réforme constitutionnelle et l'organisation des élections en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel suppose un engagement de bonne foi des autorités étatiques, mais aussi de la communauté internationale pour la résolution définitive de cette crise haïtienne qui n'en finit pas. C'est pourquoi nous vous proposons de rester à l'écoute de la population haïtienne, de sanctionner tous les responsables de cette situation en Haïti, d'appliquer les sanctions dans toute leur rigueur, notamment l'embargo sur les armes et le gel des avoirs des personnes sanctionnées, d'exiger de la force multinationale dont le mandat vient d'être renouvelé, de travailler aux côtés des forces de l'ordre pour le démantèlement effectif des gangs armés.
de demander aux autorités haïtiennes de procéder au vetting des différents parquets du pays pour l'assainissement de la justice, de procéder aussi au vetting de l'institution policière, de la renforcer, en vue d'éviter que quelques années après le départ de cette mission, vous, au Conseil de sécurité des Nations Unies, ne soyez obligés de voter pour l'envoi d'une énième force en Haïti. D'inviter enfin les autorités haïtiennes à s'engager à combattre effectivement la corruption et l'impunité érigées en système.